C'est une maison, à la campagne. Ça se passe à la campagne en été, dans la maison. Donc c'est une maison. Une maison à la campagne. Avec un jardin. Un jardin assez grand. 4000 mètres carrés. C'est l'été, voilà. Et ça se passe sur une journée et une nuit. Un jardin en été à la campagne, c'est plein de bestioles. Et ça fait du bruit le jour. La nuit aussi. Oui, mais pas pareil. Oui, ça fait moins de bruit, enfin pas pareil. Tu y étais ? Non, j'étais partie. Il était seul. C'est pour ça qu'il était à la campagne, seul. Parler à l'envers pour te voir à l'endroit. Être de nuit, attiré par la lumière. Être deux, nuit. Un jour, une heure, une nuit à deux. Donc c'est une maison à la campagne, avec un jardin. C'était l'été dernier, ou peut-être celui d'avant. Il avait passé beaucoup de temps seul, le jour et la nuit aussi, à regarder, à écouter, à contempler les petites bêtes. C'était la campagne, pas grand-chose d'autre à faire. Il dormait mal, alors la nuit aussi, les bestioles. Ça vit pas longtemps ces bestioles. Elles entraient dès le soir par les fenêtres, par la porte, et se collaient au mur près des lumières. Pourquoi des bestioles de nuit se collent-elles à la lumière ? C'est une maison à la campagne. C'est une maison à la campagne. Ça se passe à la campagne, en été. Dans la maison. Dans la salle de bain. La fenêtre restée ouverte. Les mains sales, terreuses et gratinées du jardin. Les travaux dans le jardin. Il est entré dans la salle de bain pour les laver, ses mains. Et son corps aussi ? Les mains et mon corps aussi. Peut-être son âme. La nuit tombait. Le jour tombait et lui de fatigue. La lumière, il ne l'a pas éteinte. Alors les êtres ailés de nuit sont entrés. Attirés et déboussolés par la lumière et la chaleur. L'humidité. Et d'autres encore ont suivi. Alors les êtres... Il ne l'a pas éteint. La lumière, il... Je me répète. C'est une maison à la campagne. Une nuit, sans compagne. Avec la compagnie des êtres ailés, éphémères.
éphémère. Une insomnie. Les souvenirs tournent, ou plutôt l'esprit tourne autour des souvenirs comme... Ou plutôt l'esprit tourne autour des souvenirs autour comme des de papillons autour de la lampe, attirés et déboussolés. Les criquets, cigales, grillons ou je ne sais quoi, ça me fait penser à la cocotte minute de mon grand-père. Mais c'est vrai, on l'entend. Ah, c'est impressionnant. Oh... C'est parti. Alors. Les mains sales, terreuses et égratignées du jardin. Des travaux dans le jardin. Il est entré dans la salle de bain pour les laver, ses mains. Et son corps aussi. Peut-être son âme. Le jour tombait. Et lui, de fatigue. La lumière, il ne l'a pas éteinte. Alors, les êtres ailés de la nuit sont entrés. L'insomnie. Les souvenirs tournent, ou plutôt l'esprit tourne autour des souvenirs, comme papillons autour de la lampe, attirés et déboussolés. Combien de temps encore à tenir? Combien de temps? Le matin au réveil. Le matin au réveil, tard, le jour haut, et caché du jour par les rideaux, comme des ailes sur les yeux. Tard, le jour haut, et caché du jour par les rideaux, comme des ailes sur ses yeux. Et si le grésillement électrique? Et si le noir fantomatique? Et si la lumière, lui, la nuit? La nuit. Et si la lumière, la nuit, nuit? Et si la lumière, la nuit, nuit? Et si la lumière, la nuit, nuit?
Dans la salle de bain, il les a laissés entrer. Il les a remarqués? Il les a presque attirés. Il faut dire qu'ils broyaient du noir. Ah, ah, ah. Je croyais qu'ils étaient attirés par la lumière. J'y comprends rien. Pourquoi vivre la nuit si on est attiré par la lumière? On pourrait parler du battement d'aile. Ou de l'effet. Hep, minute. Ah ouais. Ouais. J'en ai dans le ventre. Quoi? Bah, des... Ah. Ah. Ouais. Regarde, il s'est posé sur le miroir. Tu crois qu'il se regarde? Je ne sais même pas s'il se voit. En tout cas, il se voit à l'envers. Il me fait un effet, celui-là. Tu l'as déjà faite, celle-là. Et toi, tu t'entends de l'intérieur? Dans la salle de bain, il les a laissés entrer. Il les a remarqués? Il les a presque attirés. Il faut dire qu'ils broyaient du noir. Je croyais qu'ils étaient attirés par la lumière. J'y comprends rien. Pourquoi vivre la nuit si on est attiré par la lumière? Tard, le jour haut et caché du jour par les rideaux, comme des ailes sur ses yeux. Nocturne, attiré par la lumière qui aveugle, éblouit. Combien de temps encore à tenir? Combien de temps? Être de nuit, deux êtres unis, attendre silencieusement que le jour se lève. Combien de temps encore à tenir? Combien de temps? L'éternité en un clin d'œil. L'éternité en un clin d'œil. C'est l'éternité.
Je ferme un œil. Je vois l'éternité devant moi. L'éternité est des clins d'œil. L'éternité est un clin d'œil. Pourquoi rester des heures collées au mur quand on vit si peu de temps? Et lui, combien lui restait-il de temps? Et les petites bêtes, où vont-elles pour dormir au matin, celles qui ont passé la nuit? Et lui, que ferait-il du matin ?